un petit peu plus peur. Chaque année, l'Olympiakos se renforce avec des superstars venant de la NBA ou venant du championnat de Grèce. Et aujourd'hui, Limoges se retrouve, Georges, face à une montagne, puisque c'est comme ça qu'on les baptise maintenant. Oui, c'est vrai, l'équipe finaliste l'année dernière qui a perdu contre Badalone, l'équipe qui s'est renforcée terriblement cette saison avec notamment la star américaine Eddie Johnson. C'est l'Olympiakos, le pire, l'ogre actuel dans le basket européen. C'est la seule équipe invaincue de ce championnat d'Europe des clubs. Et qui est également en tête du championnat de Grèce avec 8 victoires en 8 matchs. Une seule défaite cette saison pour l'Olympiakos. C'était en Coupe de Grèce en début de saison face au Panathinaikos, le grand rival bien sûr du club du Pirée. Donc c'est vraiment une équipe au sommet de son art que Limoges rencontre aujourd'hui dans un match déjà décisif. Oui, c'est vrai, si Limoges gagne ce soir, les portes pour les quarts de finale sont grandes ouvertes. Mais en face, il y a quand même Eddie Johnson, on l'a dit, ancienne star de la NBA. Et une équipe très forte sur le plan individuel, mais aussi au niveau de la discipline collective. Donc, on voit les deux meilleures défenses de la poule, par exemple, face à face ce soir. On devrait voir énormément de rigueur dans cette rencontre. On va d'ailleurs regarder le programme de la poule B et les classements de ce championnat d'Europe des clubs qui rentrent déjà dans une phase archi décisive avec un premier résultat dans la poule B. Istanbul donc, qui a battu Bologne, c'est quand même une surprise, Georges, cette victoire 54-48. Oui, tout petit score, on connaît la défense d'Istanbul, on a vu cette équipe la semaine dernière sur Eurosport. D'ailleurs, Markovic était très content de la victoire de son équipe face à une autre équipe très rigoureuse d'Istanbul. Voilà d'ailleurs le classement, donc Olympiakos seul en tête avec 8 points, Bologne, Barcelone, Limoges, c'est encore très très serré, deux équipes sont décrochées, Badalone le tenant du titre et le Bayer Leverkusen, Badalone, eh bien on ira la semaine prochaine, ce sera le prochain déplacement de Limoges. Ça fait 6 équipes toujours pour 4 places, donc une place en quart de finale, ça vaut très très cher messieurs dames. On va regarder maintenant le programme des matchs de la poule A. Une poule également très très disputée avec le Real Madrid qui a beaucoup beaucoup de problèmes en championnat d'Espagne, notamment Arvidas Sabonis, sa superstar, qui joue contre Benfica. Le CSKA Moscou, révélation donc de la saison face à Pesaro. Le Panathinaikos d'Athènes face à Salonique. Et enfin le Maccabi Tel Aviv face à Ljubljana. Le classement, CSKA Moscou est en tête avec le Real Madrid et Pesaro. C'est pas vraiment une surprise dans cette poule. Ah, on s'attendait peut-être pas avoir le CSKA Moscou si haut, mais sinon Real, Pesaro, PAOK Salonique, Ljubljana, tout ça c'est du costaud. Petite déception quand même avec le Panathinaikos pour l'instant, on les attendait un peu plus haut. Oui, après les problèmes entre Galis et l'entraîneur qui a été depuis évincé du club. Alors qu'on est en train de présenter l'équipe de l'Olympiakos au public de Beaublanc, salle archi-comble, pas loin de 8000 spectateurs, on va découvrir la composition de l'équipe de Limoges, Georges. Avec Frédéric Fortier qui va recevoir un diplôme dimanche dans le prix du fair play. Et c'est tout à fait normal parce que c'est vraiment un garçon fair play. Jimmy Verov guéri physiquement mais qui a encore des problèmes en attaque. Richard Dacry le capitaine. Michael Young, troisième meilleur marqueur de la poule dans ce championnat d'Europe des clubs. Abbas Si, le meneur remplaçant, qui joue de moins en moins. Il joue de moins en moins, mais Mustafa Endo et lui, il joue de plus en plus. Kim Kempton, le meilleur rebondeur du club dans cette compétition. Mark Mbaya, le 12, et Jim Bilba, le 14. Tous les deux, ils ont un rôle énorme à jouer face aux intérieurs géants de l'Olympiakos. Ça va venir. Oui, c'est bien, c'est une question d'entraînement, Jean. Alors pour l'équipe de l'Olympiakos, l'équipe des milliardaires, puisque c'est véritablement le plus gros budget du basket européen avec le Panathinaikos, les clubs grecs croule sous les drachmes. À chaque fois la présidence, il y a un milliardaire qui amène beaucoup beaucoup d'argent. Faut dire, il y a aussi pratiquement 18 000 spectateurs à chaque match de l'Olympiakos, donc ça permet de s'offrir quelques stars. La star des joueurs grecs, c'est le numéro 5, le défenseur d'exception Sigalas, qui va s'occuper personnellement de la défense sur Michael Young. Avec l'autre vedette, on vous en a parlé tout à l'heure, le numéro 8, l'américain Eddie Johnson, plus de 1000 matchs en NBA avec sur l'ensemble de sa carrière plus de 17 points de moyenne. Je veux dire, c'est pas un remplaçant Eddie Johnson en NBA. Hein. Oui, bon, un remplaçant dans le sens qu'il a été élu meilleur 6e homme de la NBA il y a 5 ans, c'est une référence. Après, il y a Fasoulas, bien sûr, le pivot titulaire de la sélection nationale grecque, qui était la grande vedette du PAOK Salonique avant de venir renforcer l'Olympiakos.
Tomic et Tarlac et puis Nakic. On vous parlera de cette triplette serbo-grec tout à l'heure. Et Sacha Volkov, le russe, qui est arrivé du Panathinaikos d'Athènes après avoir fait un passage pendant 3 ans à Atlanta. Et c'est lui qui est chargé de faire oublier un petit peu Roy Tarpley et Zarco Paspalj, puisqu'on a changé les deux super vedettes de la saison dernière. Oui, Roy Tarpley qui vient de marquer 22 points et de prendre 14 rebonds avec les Mavericks de Dallas dans une victoire étonnante à San Antonio en NBA. Donc Tarpley s'est oublié. On pense maintenant à Volkov, un très grand joueur ukrainien qui se sacrifie cette saison pour le collectif. Il marque moins de points que par le passé, mais il va au rebond, il défend, il fait ce que son entraîneur lui demande de faire. Et surtout, on a l'impression qu'il a retrouvé l'envie de jouer, alors que c'est vrai, au Panathinaikos, il était un peu éclipsé, un peu dans l'ombre de Nikos Galis, la super vedette grecque, bien sûr. D'ailleurs, il ne s'entendait pas du tout avec Galis. Personne ne s'entendait avec Galis. Tous les ballons. Alors on vous a parlé tout à l'heure donc de ce trio serbo-grec, Nakic, Tomic, Tarlac. Ce sont des joueurs en fait qui sont soi-disant arrivés en Grèce avant les 18 ans, date limite, alors je dis bien soi-disant, ils ont été naturalisés avant 18 ans, soi-disant. Et en fait, à part le cas de Nakic qui est très clair, pour ce qui concerne Tomic et Tarlac, il y a beaucoup de doutes sur la validité de ces naturalisations. Toujours est-il qu'actuellement, eh bien, ils jouent comme grecs, aussi bien en Grèce qu'en championnat d'Europe. Et ça donne une armada assez extraordinaire. Oui, il n'y a pas de doute. Par contre, en ce qui concerne leur talent, voilà. Ce sont des très grands joueurs de basket. Et très jeunes. Oui, comme disait Markovic, jusqu'au 8e, 9e joueur, cette équipe est impressionnante. Et Tim Kempton dans la raquette va avoir beaucoup de travail, parce qu'il y a Fasoulas avec ses 2m13, il y a Tarlac avec ses 2m10, il y a Volkov avec 2m7, Johnson 2m5, et encore, bon, il en manque. Hein. Il y a au moins 5 ou 6 joueurs à plus de 2m qui peuvent venir jouer intérieur, et donc Kempton va souffrir. Oui, Kempton, le seul vrai grand à 2m08. Ensuite, on a Michael Young à 2m, mais les deux intérieurs, Mbaya et Bilba, font moins de 2m. Donc vraiment, il va falloir beaucoup de rebonds et aller chercher les balles avec énormément de volonté. Mais il aime bien ce genre de défi, je crois, Tim Kempton. C'est un homme qui aime aller au combat. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il va être servi. Attention aux fautes, bien sûr. Bah, Kempton est devenu un peu le chouchou du public de Beaublanc à cause de sa hargne, son enthousiasme, sa façon de diriger un peu l'équipe. Alors Maljkovic ne fait pas dans le détail pour démarrer avec son 5 majeur, Richard Akoury, Jim Bilba, Michael Young, Tim Kempton et Frédéric Forte. Alors que du côté du sympathique Yanis Ioannidis, sympathique c'est ironique, eh bien on a décidé d'aligner Sigalas, Eddie Johnson, Volkov, Bakatsias, le meneur de la sélection nationale grecque, et Fasoulas. Il faut quand même rappeler que le basket grec est quand même troisième, était demi-finaliste du championnat du monde. Hein. Oui, oui, c'est le basket le plus riche de l'Europe actuellement, avec tous ces milliardaires qui s'y investissent. On a vu Kempton bousculer un peu Johnson, ils se connaissent bien depuis leur séjour en NBA. Hein. À la hauteur de Fasoulas pour le premier ballon. Oh là là. Et d'entrée, Bakatsias. Ils annoncent la couleur. Markovic lui disait, c'est une équipe qui attaque toujours dans les duels. Ils essaient de battre le premier adversaire en 1 contre 1 tout de suite. Et là, des duels, il va y en avoir. Frédéric Forte, toujours aussi impressionnant à l'entraînement dans les tentatives longue distance. Voilà, Frédéric Forte qui provoque la faute de Bakatsias. Oui, Forte pensait qu'il y avait déjà une première faute non sifflée. Alors il est allé chercher le contact une deuxième fois et la faute a été sifflée. Regardez. Bilba avec Richard Akoury face à Eddie Johnson. Joueur très différent de Zarco Paspalj, Eddie Johnson. Kempton. Richard Akoury qui était seul et qui récupère le ballon. Bonne défense de Sacha Volkov. Maladroit, Fasoulas. Et
Kulkov qui n'avait pas suivi la contre-attaque, qui a empêché en fait Dakoury d'aller faire un double pas facile. Quelle ambiance dans la salle Beaublanc. Il y a des gens assis dans les escaliers, il y a 7500 personnes passées ce soir. 3 points pour Richard Dakoury, et encore le rebond pour Richard. Ioannidis va être furieux, il faut bloquer ce genre de rebond. Limoges assez maladroit en début de match. Et rebond pour Bakatsias. Ah, ils ont décidé de contre-attaquer. Faute de Richard Dakoury sur Eddie Johnson. Trois fois que le Piré a joué le jeu rapide. Donc très tranchant, très incisif, ce jeu grec en début de match. Voilà, on disait plus de 1000 matchs NBA. Et quand il a été élu réussissement Phoenix, il tournait à presque 22 points en moyenne par match. Il jouait ensuite à Seattle et la saison passée à Charlotte, où il tournait déjà à plus de 11 points par match à 34 ans. Il faut tout de suite que Limoges trouve des solutions. Michael Young n'arrive pas pour l'instant à se débarrasser de Sigalas. Ça, c'est quand même pas une surprise parce que c'est vraiment deux joueurs maintenant qui commencent à bien se connaître. Parce que depuis trois ans, ils se sont rencontrés de nombreuses fois. Déjà, Limoges a gagné 4 fois sur 5 face au Piré. C'est un peu la bête noire de cette équipe grecque. Donc au niveau du capital confiance, Bilba et ses compères peuvent se dire au moins qu'en général, face au Piré, ça marche bien. Kempton. Marché de type Kempton, celui qui sera refusé. On le voit très bien au ralenti. Rien à redire. Et Johnson, le ballon qui glisse. Incroyable la maladresse actuelle. Faut revenir, faut faire l'effort. Encore pas. Et tout le banc grec s'est levé pour applaudir. Ah, il y a de l'enthousiasme, il y a de la rigueur, énormément d'enthousiasme et aussi d'enjeu. Et Limoges en difficulté d'entrée. Hey, rien à faire. Regardez, relance. Et Ioannidis dit à Bakatsias, c'est comme ça qu'il faut jouer, curieux. Oui, il applaudit, il faut jouer vite. Mais de toute manière, il ne veut pas laisser Limoges imposer le rythme. C'est-à-dire, jeu posé, un match à 50 ou 60 points. Il essaie de donner du rythme, justement. Il y a un chiffre qui est amusant quand même dans les confrontations entre Limoges et Olympiakos. Ici à Limoges, Olympiakos n'a jamais marqué 60 points. Toujours resté sous la limite. Première faute de Sigalas. Limoges qui a un peu perdu confiance dans ses tirs. Après ce festival de maladresse en début de match. Presque 4 minutes de jeu et pas le moindre point pour Limoges pour l'instant. Et voilà la solution, elle est là. Elle s'appelle Michael Young. Michael Young, je disais, très motivé par son duel avec Eddie Johnson. Deux grands joueurs américains face à face. Duel de marqueur. Oh, wow. Incroyable. Les bras de l'araignée Fasoulas. Des tentacules. Et 8-2. Il est maudit, Michael Young, dans ses tentatives à 3 points. Et Bakatsias qui s'est heurté à un mur et qui reste au sol. On va revoir. Oui, alors le problème c'est que si le soigneur vient sur le terrain, il est obligé de sortir. Il est
Il a un beau cocard. Oui, on voit que Thackeray n'est pas allé de main morte. Alors il s'est posé, il a fermé. Vacatias, à mon avis, va avoir un petit cocard demain. Oui, mais ce sont des durs. Hein. Ils n'ont pas peur pour eux, ils vont savoir régler leur compte. C'est la compensation, c'est évident. Faute offensive de Richard Dacoury. Oui, qui pousse un peu Eddie Johnson, mais on a vu pire. Et c'est la deuxième faute de Richard Dacoury. Limoges n'a marqué que 2 points en 5 minutes. Et voilà, comme dit Michael Young. Les nouveaux ballons qui ne sont plus des ballons queer, mais des ballons en queer artificiel, ça glisse davantage. Et les joueurs américains qui jouent toute leur vie avec des ballons queer n'ont pas l'habitude de se toucher de ballon. Et là, Eddie Johnson a perdu 2 ballons déjà comme ça. Et Michael Young dit que je n'ai plus les mêmes relations avec le ballon, je n'ai plus les mêmes sensations que l'année dernière. Et Richard Dacoury qui s'est bien battu pour arracher ce ballon. Pour l'instant, les solutions ne sont pas extérieures. Il faut venir marquer de près. Bogdas est déjà 3 rebonds offensifs pour Richard Dacoury. Qui défend sur Eddie Johnson. Oh là là, les écrans. Oh, c'était pas facile pour Tim Kenton. Qui peut sauver le ballon. Bah, là, Frédéric Forte a tout son temps. C'est lui qui remet Limoges dans le coup, qui permet à Limoges de revenir à 1 point. Il a marqué 5 des 7 points de Limoges, Frédéric Forte. Ah, ça peut aller très très vite au basket. Alors justement, il va falloir suivre tout le travail sur écran, les deux côtés, parce que chaque équipe a essayé de libérer leur shooter, Limoges, Michael Young. Et en face, Eddie Johnson, avec des écrans à répétition. Et l'arbitre doit garder ses yeux loin du ballon, sur les écrans qui sont terriblement physiques. Oui, là, Fasoulas l'a bien ses dépens. Faute offensif de Panagiotis Fasoulas. Jim Bilba. Kempton, il a dû changer son shoot pour éviter le contre de Fasoulas. Volkov. Faute de Bilba sur Volkov. Monsieur Virovnik, l'arbitre israélien de cette rencontre, va essayer de garder les joueurs under control. Oui, Bilba a peut-être avancé un peu l'épaule, mais il était assez bien placé. Voilà ce qu'on appelle une mauvaise passe, une mauvaise remise en jeu de Sigalas directement. Sigalas, pas terrible dans le jeu en fait, en défense très bon. Mais là aujourd'hui, pour l'instant, Sigalas fait quelques erreurs. Et il va d'ailleurs être remplacé certainement par Nakic. Les deux équipes sont très très tendues. Elles connaissent l'importance de ce match. La courite. C'est en tête de raquette que Limoges trouve des bonnes positions en ce moment. Ouais, un shoot arc-en-ciel, Georges. Hein. Fasoulas. Oui, c'est un vieux briscard, c'est Eddie Johnson. Il n'arrive pas à marquer ses tirs de loin, alors il va aller chercher des fautes et des lancers francs. C'est Michael Young qui commet la faute sur Eddie Johnson. Quel match tactique encore. Et ça fait un 8-0 pour Limoges quand même. Hein. Ouais, ouais. Et alors que... La faute, bien sûr, est à Michael Young. Mais alors qu'au tableau de marque, c'était marqué 3e faute pour Richard Dacoury. Heureusement pour Richard. Parce que Michael Young n'avait pas encore de faute. Hein. Oui, pour le moment, Richard défend très bien sur Johnson.
Johnson qui a marqué un panier à 3 points quasi décisif à Badalone pour arracher une victoire en prolongation. 6 points marqués par Johnson. Eddie Johnson qui sort. Et Nakic qui rentre. Hein. Il peut faire tourner le effectif. Hein. Quel luxe pour l'entraîneur Ioannidis. Alors Limo joue un petit bras au début de match. Maintenant ils se sont complètement libérés. Le ballon circule très vite. Et les tirs sont intelligemment choisis. Sigalas avec Volkov qu'on a très très peu vu depuis le début du match. Bien pris par Pipa. Et voilà, il suffit de dire ça pour qu'il fasse une super match. Il y a trois défenseurs en face. Mais il a une technique fantastique pour un joueur de sa taille. Et d'ailleurs, ça joue comme on est bien. Hein. Un contre un. Faute de Nakic sur Richard Dakoury. Il y aura deux lancers francs pour Richard. Oui, on le voit bien. Quatre sur l'avant-bras de Dakoury. Vasilas qui sort, remplacé par Tarnac. Vasilas qui a pris déjà trois rebonds. Alors, baptisé par les Grecs, Konstantinidis, Tarlach. Et il n'a rien de grec. Il a même joué en équipe Yougoslav Junior, Tarlach. Et à l'image, Marc Mbaya remplace Kim Bilba. Marc Mbaya qui rentre. Ce qui est surtout surprenant, c'est que tous ces joueurs gréco-serbes n'ont pas eu à attendre les 3 ans. Bilba, surtout ça. Surtout les naturalisés, par exemple, qui jouent en France, ils doivent attendre 3 ans avant de jouer au plus haut niveau. Beaucoup, beaucoup de changements. En fait, les deux entraîneurs s'observent. Dès qu'un joueur rentre, un autre qui vient défendre sur lui. Tous les schémas sont connus. Il a l'air très affûté, Richard Dakoury. Marc Mbaya, un rôle important à jouer aussi dans la raquette. 5 points pour Richard Dakoury. Il sort, remplacé par Jimmy Verov. Richard Dakoury, 5 points et 3 rebonds offensifs. Des bonnes stats. Jimmy Verov aussi doit apporter quelque chose de plus en attaque. Mais pour l'instant, en championnat d'Europe, il n'a pas encore marqué le moindre point. Il a défendu, mais il faut qu'il marque maintenant. Et Volkov, à l'intérieur, toujours. Oui, bien servi. Hein. Les deux joueurs mangeaient ensemble à l'hôtel tout à l'heure. Johnson et Volkov, ils parlaient de leur passé NBA. Porté avec Tarlach qui défend sur Kempton. Bien joué ça. Et faute de Tarlach sur Marc Mbaya, toujours ses passes décisives de Tim Kempton, sa grande spécialité. Justement, il a autant de passes décisives au championnat d'Europe des clubs que Frédéric Forté, le meneur de jeu. Ce sont les deux meilleurs passeurs de l'équipe dans cette compétition. Mbaya au lancer franc. Un peu court, Marc Mbaya. Oui, oui, oui. Tout le monde ressent une tension nerveuse extrême. Oui, même dans la salle. Parce qu'elle est pleine à craquer, mais tout le monde est tendu. Même chez les commentateurs qui n'arrivent pas à dire Olympiakos. 0 sur 2 pour Marc Mbaya au lancer franc. Difficile entrée en matière. Johnson. Tarlach. Oh, ils vont imposer leur puissance à l'intérieur. C'est la tactique choisie. Ils ont tous ces doubles mètres. Alors, autant les servir dans la raquette, provoquer des fautes et user les intérieurs de Limoges. Sixième faute d'équipe. Bakatsias. Faute de Verov.
C'est intéressant par rapport à la semaine dernière où on voyait déjà deux équipes très défensives face à face. Les arbitres ont réussi à contrôler sans trop siffler faux. Ce soir, ils sont vraiment obligés de siffler beaucoup. Ils se sentent obligés en tout cas. Interception de Frédéric Forté, en fait, qui a coupé la passe vers Darlac. Alors qu'il n'y avait pratiquement plus un seul défenseur, Michael Young. Oh là, quelle bagarre pour le ballon, c'est Darlac qui arrache. Ballon, allez, ballon qui sera grec. Mais sur les images, il n'y a pas grand chose à dire. Alors que Limoges avait récupéré le ballon. Oh là là, là comme il joue sur les écrans, Eddie Johnson. Darlac, deux points. Darlac qui a raté toute sa saison l'an dernier, il n'a pas joué pratiquement à cause d'une rupture des ligaments. Et là, il est bien revenu. Hein. Ah ouais. Après 10 minutes de jeu. C'est vous, tous ces ballons qui tournent autour du cercle pour ressortir. Faute de Tim Kempton. Et Young qui s'est fait mal à la cheville ou au pied. On va voir peut-être en retombant. Oui. Là, il a mal, je dirais, sur le gros orteil. Bien qu'il se dit moins en forme que ses deux dernières saisons, c'est évident, il est plus irrégulier. Nakic. Allez, il faut prendre ce ballon, Marc Bayer. Bien battu. Michael Young qui a encore qui boitille un petit peu. Mbaya. C'est fou. Il n'y a rien à faire. Hachkovic qui va demander un tombant, la contre-attaque, Volkov. Oh bien suivi Kempton là. Bien. Deux contre-attaques. Il va siffler une faute et il va empêcher Limoges de marquer le double pas. Là, ils auraient pu siffler intentionnel dans ce cas-là. Oui, puisque c'est un acte typique d'anti-jeu, puisqu'il n'empêche même pas de jouer. Oui, regardez ça. C'est ce qu'on appelle, moi, j'aime rien dire sur les arbitres, mais c'est très mal arbitré de la part de M. Kuralevski. Oui, c'est pas dans l'esprit, quoi. Voilà. C'est pas une erreur, mais c'est très mal arbitré. Temps mort demandé par Bozidar Matchkovic. Et on voit Michael Young avec Jean-François Manoff, le docteur Limougeau, soigner son petit problème au pied. Oui, parce qu'il fait la faute exprès pour empêcher Limoges de marquer facilement. Pour ça, une intentionnelle aurait pu être sifflée. Elle existe pour ça, cette faute d'ailleurs, pour empêcher ce genre d'action. C'est vrai, on ne dit plus intentionnelle, on dit faute antisportive, mais c'est pareil. Et en plus, il n'y a même pas de lancer franc, il n'y a rien, c'est vraiment sans intérêt. Oui, c'est comme si on avait... À la limite, on devrait faire comme au foot et donner l'avantage. Donc Michael Young est sur le banc, parti se faire soigner. Richard Akoui rentre à sa place. Et c'est lui qui va marquer. Daggery, meilleur marqueur du match avec 7 points. Et Kempton, le meilleur passeur. Cigaras. Attention à Johnson, il dégaine à toute allure. La preuve. 8 points pour Eddie Johnson. Quand il joue en NBA, il n'avait pas besoin de 5 secondes pour s'échauffer pour tenter son premier tir dès qu'il est arrivé sur le terrain. C'est son rôle. Dégaine. Oh, on l'a marqué aussi. Et s'il
retrouve le niveau de ses tirs à 3 points de la saison dernière. Ça va faire mal, Frédéric Forté. 8 points marqués avec 100% de réussite pour Frédéric ce soir. Et je peux vous dire que le match se joue en ce moment à un niveau très haut. Il est à 60% de réussite dans le championnat d'Europe à 3 points, Frédéric Forté, depuis le début de saison. Sigalas face à Dakoury. Jouer sur Kemp Dunlap. Tomica qui mène le jeu. Il a remplacé Bakatsias. 19-18 après 13 minutes de jeu. Petit score, mais quelle intensité. Toujours les défenses individuelles ultra strictes de chaque côté. Il n'y a pas que Michael Young qui a du mal avec ses nouveaux ballons. Vladimir Petit de Verov en championnat d'Europe. Pardon. Et il y a beaucoup de tweets, on s'entend mal, quoi. Faute offensive de Sigalas. En tout cas, on peut dire que les arbitrent peut-être pas dans l'esprit, mais de la même façon des deux côtés. Ah oui. Ils font très très attention au niveau des blocs, des contacts, loin du ballon. Et c'est donc nécessaire, sinon c'est les règlements de compte en permanence sur les écrans. Thomas demandé par Ioannidis, qui est le grand bonhomme du basket grec au niveau des clubs, puisqu'il a trusté tous les titres avec l'Aris Salonique et maintenant avec l'Olympiakos. Alors qu'on voit ici le panier en double pas de Jimmy Verov. C'est marrant, il y a quand même beaucoup de contre-attaques de part et d'autre. Alors que bon, c'est un match très serré, 21-18, petit score, mais on voit de la contre-attaque. Et on s'attendait à voir beaucoup de jeux posés, mais il y a l'explication à cela, c'est que les deux entraîneurs se sont dit, de toute manière, la défense va être tellement forte sur le jeu posé qu'on est quasiment obligé de contre-attaquer pour avoir des positions relativement faciles. Parce qu'une fois que c'est 5 contre 5 sur demi-terrain, la défense est exemplaire, d'un côté comme de l'autre. Cette faute d'équipe de chaque côté, et le ballon dans les mains de Frédéric Forté. Verov qui joue avec Markel Maillard. C'est loin. Oh, oh, quel panier, monsieur Dame. Il était à 9 mètres. Aïe, 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 aïe. Je vous l'avais dit depuis une dizaine de jours, Frédéric Forté, à l'entraînement, est monstrueux dans les tirs longue distance. Bah, il a raison d'entraîner ses tirs à 9 mètres à l'entraînement maintenant. Il a bien raison. Et plus 6, c'est le plus gros écart du match. Tomic, Jean-Yves Volkov, Tarlac, oh, c'est mon feu qu'on vient voir là. Extraordinaire, passage fabuleux du CSP Limoges, vous êtes forfait. Ouais, c'est l'euphorie là. Allez, faut revenir, faut pas le prendre celui-là, Tomic. Sifflé contre Eddie Johnson. Il est poussé au rebond. Bon repli défensif ici de Frédéric Forté qui empêche le double pas. Et on a vu Eddie Johnson pousser Jimmy Verov pour prendre le rebond offensif. Et Verov qui s'est laissé tomber. C'est bien joué. Comme Eddie Johnson tout à l'heure face à Dakoury. Donc c'est de bonne guerre. 24-18. Le match vient de prendre un coup de booster, un coup d'accélérateur.
Oui, on voit le véritable niveau de ces deux équipes maintenant. Regardez, on est obligé d'aller à 2 mètres pour chercher une position. Aïe, bon, il reste peu de temps, évidemment, pour chuter. Il fallait oser quand même. Ouais, il a bien fait. Il faut se montrer mis à droite, ça, au lancer franc du numéro, c'est fait. Et le contre d'Embaya, je crains que c'était quand même dans sa phase descendant le ballon, mais c'était aussi le contre de l'année, là. Moins de 5 minutes de jeu en première mi-temps. Un match d'un niveau. Oh, la puissance inimaginable de Tarlac. Ah, il nous a fait un Conrad McRae là. Ah, il s'est retourné, boum. McRae qui a marqué d'ailleurs 27 points dans la victoire de Fuentes. Ah, il fallait quand même aller gagner là-bas. Hein. À Vérone. Grosse perf de l'équipe de Michel Gomez. Tarlac au lancer franc. Un beau dunk, 4 points marqués en tout pour Tarlac. On connaît les problèmes au rebond. Ça va se jouer en défense, mais surtout au rebond. On a compris. Sigalac, il peut shooter à 3 points, bien sûr. Akic qui ressort. Et Bakatsias qui va essayer de remettre un petit peu d'ordre. Regardez la différence de taille entre Embaya et Tarlac. C'est énorme. Il joue au même poste. Obligé de passer devant Embaya, sinon chaque fois il est fichu. Encore un ballon perdu. Jimmy Leroy qui intercepte. Quatre minutes. Et tout ça avec Michael Young à sûrement 2 points marqués. C'est une vraie équipe. Aujourd'hui, c'est Fournier et Dacquery, les deux joueurs qui font la différence. Jim Bilba, un shoot très tendu comme à son habitude. Il faut que Bilba se monte dangereux en attaque. Depuis le début de saison, il a retrouvé ses sensations. 27-20, plus 7. Il tourne à presque 8 points par match en championnat d'Europe des clubs. Sigala. Kitch avec Bakatsias. Limoges flotte beaucoup en défense en voulant protéger la raquette. Et c'est ça qu'il faut faire, bloquer au rebond, la clé du match pour les joueurs en jaune. Et le public s'y met. Ah, quand on voit le début de match catastrophique, on peut dire de Limoges qui était mené 8-0. Jean-Jay Adams qui est arrivé sur le parquet pour s'échauffer pratiquement une heure et demie avant le match pour faire des tirs, toujours des tirs. Oui, il n'en aura pas beaucoup d'occasions, donc autant les mettre dedans quand il a la chance de tirer. Il n'y a que 4 secondes sur l'horloge des 30 pour tirer ici. Et moi je joue Frédéric Fournier à 10 mètres, qu'est-ce que t'en dis? Allez, je vais donner le ballon. Faut shooter là. Le panier de l'impossible. En ce moment, c'est exploit sur exploit. Oh là là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Faute de Marc Embaya sur Volkov. Le niveau de jeu qu'on voit depuis 5 minutes. Aïe, 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 aïe. Regardez la position. Il restait une seconde sur l'horloge des 30 pour tirer. Une seconde. Et Michael Young qui a arrêté beaucoup de tirs, beaucoup plus facile que ça. Il attend ce moment-là pour sortir un shoot incroyable de sa boîte magique. Tout ça en ayant mal au pied. Quel bonhomme étonnant. Et Tim Kempton est allé voir Michael Young, il était mort de rire. Et on peut dire que ça c'était un super plan de Jean-Paul Jaune et de nos cadreurs, hein, de retrouver
ce plan-là, des Young qui tiraient en vrille. C'était presque 300 fois 30 degrés avant de chuter, quoi. À jouer. En première mi-temps, bien sûr. Fasoulas qui prend sa deuxième faute face à Tim Kenton. Oui, bah, ils ont intérêt à attaquer comme ça en un contre un, parce que les arbitres donnent la plupart du temps l'avantage à l'attaquant, des deux côtés d'ailleurs. Donc, le porteur du ballon a intérêt à d'abord vouloir dépasser son adversaire direct. Ça risque encore une fois de coûter cher tous ces lancers francs manqués. Il y a en ce moment un petit syndrome quand même. Pourtant, il s'y entraîne. Il ne s'entraîne pas beaucoup les matins, mais il fait des lancers francs. Hein. 3 points pour Kenton. Grand bonheur de la deuxième mi-temps la semaine dernière face à Istanbul. Il y a des chocs partout sur les écrans. Volkov. Bonne passe. La première, bien sûr. Et Bakatsias qui a essayé de faire une passe volée pour Sigalas. Et c'est le coach Ioannidis qui a reçu le ballon. Il a voulu volée le ballon. C'était pas le moment. 31-22. Il reste 1 minute 34. Porté. Birbal qui chute de plus en plus loin, il marque même à 3 points cette saison. Ça s'appelle la confiance. Plus 11, de plus gros écart. À 1 minute de la mi-temps. 1 minute 06 exactement. Et on nous rappelle que Limoges mène face à la seule équipe invaincue du championnat d'Europe de club cette saison. Eddie Johnson prise à deux, attention Sigalas, il est tout seul. Il est court et le rebond de Michael Young. Depuis 5 minutes, le pire joue à l'envers. Tant mieux. Sans cette chauve. Ah bah ce soir on peut l'être un peu quand même. Ouais. Alors on va jouer à la limite des 30 secondes, mais il reste 9 secondes pour le shoot. Il reste 21 secondes pour un shoot grec, Bakatsias à la baguette, le score 33-22. Et là aussi, on va laisser égrener les secondes. Avec un temps mort. Évidemment, puisque le ballon sera ensuite rendu à Limoges, normalement. Il restera 6 secondes de jeu, le score 33-22. Alors, Maljkovic qui essaie de calmer tout le monde. On revoit le dernier panier de Jim Bilbar face à Sigala, c'était pas facile. Belle image. Une casquette noire et un t-shirt est fait à 200 francs au lieu de 240 francs. Alors il reste 6 secondes. Et le temps mort, Bruno. Alors, je suis à côté du maire de Limoges. Quel fantastique soir de basket, monsieur le maire. Ah oui, ça va être très long. La seconde mi-temps va être très long. Mais j'espère que l'équipe va tenir et qu'on va l'emporter sur cette superbe équipe du Pirée. Avec Xavier Popelier, président d'honneur du club.
c'est fantastique cette fois et le public est vraiment présent. Mais écoutez, si ça dépendait de moi, que de moi, j'arrêterais le match tout de suite. 11 points d'avance, ça me suffit. C'est extra. Oui, c'est très tactique, des temps morts comme aux États-Unis. Tout de suite, Fasoulas sera au lancer franc. Il reste toujours ces fameuses 6 secondes. Fasoulas n'est pas le joueur le plus adroit du monde au lancer franc. 60% de réussite normalement. Alors monsieur Pasto, le président du club, pas trop tendu là? Si, si, très très tendu, c'est toujours très difficile. Match dur, basket un petit peu tranché, mais on fait une bonne première mi-temps. Un grand niveau de jeu. Grosse défense, gros niveau de jeu, belles attaques, je crois que c'est du basket, top niveau. Alors Fasoulas au lancer franc, voilà. Il rate le premier. Il restera 6 secondes si Limoges prend le rebond ou si Limoges encaisse le point pour essayer de creuser l'écart. Alors 6 secondes, Michael Young, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, et le contre de Fasoulas. Juste une question, Frédéric Forte, est-ce que Limoges peut tenir ce niveau de jeu extraordinaire en deuxième mi-temps? Je ne suis pas sûr, mais on va essayer de toute façon. Je crois qu'on n'a pas trop épilé nos forces en première mi-temps. On a pu gérer à peu près en défense, leur poser quelques problèmes puisqu'il faut qu'à 22 points. C'est une équipe qui se bat énormément sur le jeu intérieur, donc jusqu'à présent on essaye de fermer. Et on sait que principalement le danger extérieur peut arriver par Johnson, mais jusqu'à présent on ne maîtrise pas trop mal. Mais on a eu un petit coup de folie en première mi-temps qui nous a fait du bien pour décrocher. J'espère qu'on aura à peu près la même chose en deuxième. Et ce tir à 9 mètres aussi. Ouais, mais ça c'est de la chance. Pas tant que ça, Frédéric Forte. Nous qui sommes allés plusieurs fois les voir à l'entraînement le matin, on peut vous dire que ce n'est pas du hasard si Frédéric Forte réussit des paniers à 9 mètres. La semaine dernière, il en avait réussi 6 sur 6 à l'entraînement pour s'amuser. Et ce matin, c'était à peu près la même chose. Voilà, nous allons retourner à Paris, retrouver David Cosette. Et puis on reviendra ici, bien sûr, pour la deuxième mi-temps. Alors que l'on voit une dernière action avant de retourner dans nos studios de Boulogne-Billancourt. A tout de suite pour la deuxième mi-temps. De 33-22 en faveur du CSP Limoges face à l'Olympiakos. La deuxième mi-temps va débuter dans quelques instants. Nous avons encore donc le temps de vous présenter une bonne idée de cadeau de Noël. Vous avez peut-être apprécié les 4 saisons du Berger. Eh bien voilà un petit peu la suite. C'est réalisé par Jean-Paul Jaude, une vieille connaissance bien sûr sur Eurosport, qui réalise le match ce soir. Ça s'appelle le Noël des Bergers. Alors si vous avez apprécié la première cassette, jetez-vous sur la deuxième, puisqu'elle vient de sortir. C'est édité par Canal Plus Vidéo et vous pouvez le trouver dans tous les bons point de vente, évidemment. Georges, les statistiques maintenant. Alors, les statistiques de cette première mi-temps, avec notamment les marqueurs Forte, 11 points, surtout 3 sur 4 à 3 points pour Frédéric. Richard Dacquery, 7 points. Côté Le Piret, Johnson 8, Volkov 6, les deux étrangers qui tiennent la baraque, mais bon, en attaque, l'équipe du Piret n'a marqué que 22 points. Et pourquoi? Bah, vous regardez le pourcentage de réussite. Un peu mieux côté Limoges, mais c'est un match quand même défensif où les deux équipes sont assez maladroits. 0 sur 3 à 3 points pour le Piret. Quand on sait que Johnson habituellement est un super shooter à 3 points, on peut dire que la défense de Dacquery et Verov sur Eddie Johnson, la star américaine de l'équipe grecque, a été excellente. À noter toujours la petite faiblesse de Limoges au lancer franc, Georges, avec 51% seulement. Pour les rebonds, c'est Richard Dacquery qui est en tête. Oui, 4 rebonds, et 3 de ces 4 rebonds sont des rebonds offensifs. Il les a pris en début de match. Volkov, 5 rebonds pour l'équipe grecque. Alors que vous voyez derrière une équipe de basket acrobatique, les Aigles du Forez, ce sont tous des étudiants qui jouent au basket en National 3 à Feurs dans la Loire, et ils ont monté une petite troupe. Bon, c'est pas encore les Daredevils, mais c'est quand même déjà c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'est génial en tout cas qu'au niveau français, on commence à voir des troupes comme ça un petit peu partout, et on espère que les Aigles du Forez, eh bien, feront une longue carrière et qu'on les verra peut-être sur des matchs du championnat de France ou un peu partout, tourner dans tout l'Hexagone. Oui, on avait une troupe comme ça aussi à Lyon. Donc ça commence à devenir à la mode. Les Daredevils à la française, quoi. Vous avez une très belle casquette, Georges. Ah, oh, merci. Ça va pas du tout avec le bleu de ma chemise, mais bon, c'est ce soir, il fallait être sous-pointé un peu. C'est les nouveaux gadgets du CSP Limoges.
Il y a eu toute une nouvelle gamme qui a été créée. Oui, d'ailleurs la boutique est gérée maintenant par la femme de Richard Dacquery, qui s'implique beaucoup dans la vie du club. Regardez ça. Ils enchaînent bien les mouvements. Ouais. Non, c'est pas mal du tout. Bon, ils utilisent des ballons un peu plus petits. Hein. Ça, c'est un avantage pour eux parce que, bon, ce sont des étudiants, ils ont encore des petites mains. Ils vont grandir. Il y a une autre statistique que je voulais ajouter, qui, à mon avis, est la statistique clé du match. Le Pirée a perdu 11 ballons en première mi-temps. Limoges n'a perdu que 2 ballons. Donc 11 ballons perdus, ça fait 11 possessions, 11 attaques de plus pour Limoges. C'est la grosse différence. Et ça se traduit par 11 points d'écart en faveur des Français. Et c'est le genre de statistique qui fait hérisser le poil de tout coach et surtout d'un entraîneur comme Ioannidis qui prône la rigueur à outrance. C'est interdiction de lâcher un ballon comme ça. Quoi. C'est vrai. Encore l'année dernière avec Passpies et Tarpley, on jouait beaucoup sur les individualités. Mais c'est vrai, cette saison, c'est la rigueur collective qui prime, malgré la présence de Volkov et Johnson. Et 11 ballons perdus, c'est pas très rigoureux. Mais par contre, seulement 2 ballons perdus face à la meilleure défense d'Europe depuis 2 ans pour Limoges, ça par contre c'est excellent. Malkovich doit être ravi. Et en tout cas, ça doit lui permettre de faire passer la pilule de la défaite à Cholet de samedi dernier dans le match au sommet du championnat de France. Il y a un gros programme télé d'ailleurs ce week-end dans le championnat de France en Pro A avec Lyon-Villeurbanne, le derby lyonnais donc sur Eurosport samedi soir. Le samedi après-midi à 14h sur Canal, il y aura Dijon-Cholet. Et le dimanche sur FR3, un certain Limoges-Antibes. Donc ça fait quand même 3 très gros matchs ce week-end. Alors si vous aimez le basket de Pro A et vous avez vu depuis le début de saison que c'est quand même cette année assez extraordinaire, il faut rester devant la télé ou aller bien sûr dans les salles si vous en avez la possibilité parce que le spectacle promet. Oui, on va ajouter que Limoges-Antibes sur France 3, c'est dimanche à 16h10. Au plan de Tim Kenton. Et confirmation de la blessure de Michael Young, c'est un gros hématome au gros orteil. Voilà, donc on avait bien deviné. Et ça ne va pas l'empêcher de jouer et de nous marquer des paniers aussi incroyables que celui de tout à l'heure à 3 points. Mais le problème, c'est qu'il est à 2 tirs sur 9, globalement. Mais s'il met le panier de la victoire, ça suffit. Oui. C'est ce qu'on lui demande. Mais voilà le pied de Michael Young. Michael Young déjà assez maladroit à Cholet, seulement 4 tirs réussis sur 14. Une saison en dents de scie, il le reconnaît lui-même. Il dit, j'espère retrouver la grande forme pour la fin de saison et les matchs clés et décisifs en championnat et en championnat d'Europe. Allez, deuxième chance pour l'entre-deux. Même l'arbitre polonais s'est laissé surprendre par la trajectoire du ballon. Enfin, celui-là, ça a sauté beaucoup trop tôt. Et donc le ballon sera pour le CSP Limoges. Pantelas qui dit, lancez le ballon. Il a 34 ans, Pantelas. Le joueur grec le plus payé. Plus d'un million de dollars par saison. Et il voudrait bien ce titre européen. Il a déjà gagné l'ancienne Coupe des Coupes. Mais c'était avec le PAOK Salonique, avec l'Olympiakos, et il n'a rien gagné encore. Ouf. C'était un peu forcé tout ça. Bakatsias en contre-attaque. Passes en force. Et attention, Vérov a mal au bras gauche. Parce que là, il faut être courageux, il faut accepter la punition et le choc. Eh mais c'est Vérov qui a pris la faute, c'est pas vrai. Pourtant, il avait signalé au début pas de l'emploi qui est cru. Ouais, mais non. Mais non. Bon, c'est Noël. Plus que 8 points d'avance, Frédéric Forté. Vu comment dans le jeu il a repoussé la défense de Sigalas. Oui, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce soir les arbitres donnent l'avantage
à la défense dans toute situation, puisqu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs avec la faute de Verov. Sigel à 103 points, il avait été très maladroit tout à l'heure. Là, il est à 0 sur 3 maintenant. En attaque, c'est pas le Sigalas de la saison dernière pour l'instant, tant mieux pour le CSP Limoges. En 17 minutes de jeu, il a marqué 0 points en premier mi-temps. Grosse défaillance. Kepton. Il faut shooter bientôt 5 secondes. Kepton. Et on voit quoi ? Avantage à l'attaquant. Donc, parce que Fatula se laisse tomber en arrière, l'arbitre ne siffle pas. Alors, ce qu'il faut, c'est s'adapter par rapport à l'arbitrage de ce soir et attaquer le cercle. Eddie Johnson. C'est ce qu'il fait. Voilà. Plus de 23 points de moyenne en championnat d'Europe. Un petit peu moins dans le championnat de Grèce, 20 points. Le meilleur marqueur de la poule, c'est Denis Lovic de Bologne. Le deuxième, c'est Johnson. Et le troisième, c'est Michael Young. On a deux des trois meilleurs dans la rencontre ce soir. Verov. Oui, il faut faire défendre Eddie Johnson aussi. Oui, il est... Selon les dires, plus défenseur quand même que Passepage, mais c'est quand même pas Giorgio Sigalas. Hein. Volkov au rebond. 6 rebonds pour Volkov. Et panier facile pour Sacha Volkov, qui était à l'origine de l'action et à la finition également. Il y a du contact. Hein. Faute de Sigalas sur Michael Young. Panier refusé, c'est normal. Troisième faute de Sigalas. Oui, c'est un peu comme en NBA cette saison. Les arbitres ont décidé de revaloriser le jeu d'attaque. C'est vrai qu'avec des équipes comme le Pirée et Limoges, où la défense passe avant tout. Encore une faute. Cette fois, c'est Volkov qui avait poussé, Bilba. Et peut-être ils exagèrent un peu, hein, parce que... Là, c'était gentil. Ouais, là, vraiment, les attaquants sont bien protégés, quoi. On va pas s'en plaindre. Le basket est avant tout un jeu d'attaque. En tout cas, au niveau des spectateurs, c'est ce qu'ils veulent. Kempton. Bilba au poste. À Volkov. Bien battu Jimmy Verov. On voit qu'il a retrouvé sa santé et sa pêche. Ah, il dit qu'il ne s'est jamais senti aussi bien physiquement que depuis quelques semaines. Kempton. Pas de réussite, c'était bien fait. Attention à Pacatsias. Passage en force de Volkov sur Tim Kempton. Deuxième faute pour l'ancien international soviétique. Et enfin, un avantage donné aux défenseurs. Oui, mais à mon avis, Kempton n'a pas intérêt à venir se frotter. À... Parce que sinon, il va avoir une faute offensive pareille. Bah, vous avez compris, le défenseur essaie à tout moment de bloquer la course de l'adversaire direct. C'est ça le basket moderne. Voilà, c'était court. Pour revenir, 3 contre 2 là. Faute de Bilba, indiscutable. Et là, c'est du rugby. Avec Atsas, ça a failli être broyé. Regardez ses pieds là, regardez. Ah, il marche avant la faute. Peut-être c'est parce qu'il savait qu'il allait recevoir une tonne sur la tête. Et c'est vrai, il glisse. Il rate son lancer franc. Eftimis Bakatsias. Ah.
Toi, là, 6,5 points en moyenne dans le championnat d'Europe des clubs. Et 0 sur 2 dans ces trois. Match très fermé maintenant. On est revenu un peu sur le tempo du début de la première période. Oh là là, les écrans. Des écrans et des écrans. Kempton. Et le rebond pour Johnson, la contre-attaque tout de suite. Oui, mais il va aussi chercher cette passe, Volkov. Quelle mobilité pour un joueur de 2m8. Et voilà l'Olympiakos qui revient à 6 points. Grâce entièrement à Volkov. 8 rebonds et 10 points pour Alexandre Volkov. Kempton. Oh ouais, ah, c'était pas facile. Ah, il nous a fait un Jordan là. Regardez la position. Il évite complètement le contre de Volkov. En anglais on dit le double pump et tire en deux temps. Pas sous la ça. C'est l'attaque. Il a construit une maison dans la raquette Volkov avant de marquer là. Une datcha. 39-33. Trois points si ça rentre, comme dirait l'autre. Regardez le geste pur, parfait de Jimmy Lerov. On vous avait parlé de sa ligne blanche au niveau des points en championnat d'Europe. Il en est à 6 aujourd'hui. Oui, il fait un match complet parce qu'il défend bien sur Eddie Johnson aussi. Complètement. Cigalas. Oh. 2 points pour Cigalas. C'est 2 premiers points du match. Oui, ça c'est le danger. Comme Limoges flotte beaucoup pour fermer la raquette, il laisse quand même les shooters un peu plus libres. S'il commence à aligner comme ça, ça peut faire mal. Lerov avec Kempton. Oh, contré. Nouveau point pour le Fasulas, le troisième. Et puis longtemps le meilleur contre en Europe. Hey, hey, et attention, c'est à l'intérieur que l'équipe de Volkov marque de plus en plus. Ils imposent leur puissance. Il a pris toutes ses responsabilités en attaque maintenant Volkov. Première mi-temps, on l'a vu beaucoup en défense. Et il est mieux servi surtout. Hein. On le cherche davantage. Alors, il y a une faute sifflée contre Fasulas. Troisième faute. Le lancer franc. Oui, mais je pense que c'est bien vu par l'arbitre. Il était à l'intérieur de la ligne à 3 points. Il est retombé à l'extérieur de la ligne, mais quand il a chuté, il était à 2 points. Jimmy Lerov, remplacé par Georgie Adams. Et Young, toujours un grand gentleman, dit à l'arbitre, c'est OK, c'est OK. Vous avez bien vu, monsieur l'arbitre. Il fait une chaleur incroyable dans ce palais des sports. Allez, regardez comment il est trompé. Hein. La sueur de l'effort de Michael Young. Il n'a jamais joué dans une équipe aussi forte en Europe. Après Valladolid et Reggio Calabria. Il a déjà un titre européen à son palmarès. Eddie Johnson, la gâchette. Il a bien fait d'enlever le ballon parce qu'à mon avis, il allait rentrer. Ouais, complètement. Eddie Johnson, maladroit aussi à 3 points. Kempton. Ouais. 2 points. Ouais, mais
que c'était bien joué, encore une passe décisive pour Tim Kempton. 4 passes décisives pour Kempton. 45-37, Limoges qui reprend un petit peu ses distances. Pas pour longtemps, Vassilas. Très beau toucher sur ce tir. Avec ses bras tentaculaires, lui il est incontrable. Michael Young. Oh là là, il n'y avait pas de faute là. Et heureusement que Limoges a shooté car le temps était écoulé. Frédéric Forte a shooté la dernière seconde, c'est pour ça qu'il a carrément précipité son shoot. Et Forte, on disait qu'il est fair play, il est allé voir Bakatsias qui a pris un coup au visage pour voir l'état de sa santé, tandis que Forte lui a très mal au coude. Le ballon sera rendu à Limoges, puisque Eddie Johnson qui a des problèmes quand même d'adhésion, on peut dire d'adhérence. Avec le ballon. Mbaya. Frédéric Forte. Eddie Johnson en train de se faire engueuler sur le banc par les deux responsables techniques. Il va arriver. Tomic qui mène le jeu maintenant. Attention, l'équipe de l'Olympiakos n'est jamais battue. La meilleure illustration, c'était à Badalone. Ils avaient été menés tout le match et ils sont revenus sur la fin. Volkov. Sont trop grands. On vous l'a dit au début de match, c'est ça la grande force de cette équipe. Tous ces joueurs intérieurs de grands talents. Avec une pression monstrueuse de Tomic sur Frédéric Forte. Et en fait, ils n'arrivent absolument plus à faire une passe en ce moment, les joueurs de Limoges. Quelle vitesse d'exécution, parce que là il enchaîne ce tir à une vitesse formidable. Tarlac et Lignatis qui se préparent. Quel gabarit ce Tarlac quand on y pense. Oui, bonne défense là. Ouais, interception. Sigalas c'est un peu gourmand. C'est pas un gros gros match quand même. Giorgio Sigalas, on l'a connu beaucoup plus rigoureux dans son jeu d'attaque. Et c'est même tout le contraire. Beaucoup de ballons perdus. Allez, faut le prendre. 3 contre 2. Et Volkov inarrêtable. Attention, les contre-attaques, ça rend véritable problème. 16 points. Bah, il a la taille d'un pivot et la mobilité d'un arrière. Quoi. Et quelle manière de ballon. Pour le moment, la seule possibilité c'est de passe pour Frédéric Forte, c'est Georgie Adams. Ils ont 4 points d'avance, faut pas désespérer. Ouais, mais Limoges en ce moment souffre en attaque. Volkov à 3 points. Et ce pendule là aurait pu faire mal. Hein. Ouais. Heureusement, c'est pas un joueur spécialement à 3 points. Il peut shooter à 3 points. C'est pas vraiment son point fort, Sacha Volkov. Oui, c'est seulement la 5e fois qu'il a tiré à 3 points en championnat d'Europe. Frédéric Forte, maintenant il va de plus en plus attaquer le panneau comme ça. C'est son premier panier de la deuxième mi-temps. C'est bien. C'est vrai qu'avec les défenseurs successifs, les Grecs ont voulu user Frédéric Forte en deuxième mi-temps. Faute de Georgie Adams. Ils ont repéré quand même que Frédéric Forte jouait tout le temps.
en fait qu'il était le seul meneur archi compétitif. Bah, il va sortir. Voilà. Faut qu'il se repose un peu pour la fin de match. La richesse de l'effectif de l'Olympiakos en ce moment qui est en train de payer. Regardez l'accélération de Forte. Volkov, l'homme fort de la deuxième mi-temps. Et Limoges passe devant en défense. Chexmoor passe devant pour l'NDC direct pour empêcher la circulation du ballon. Nakic avec Eddie Johnson. Très bon écran. C'est ça le danger. Il peut passer à côté du match et puis tout d'un coup allumer la mèche. 49-46. Il a manqué Richard Nakouri, Bakatsias, possession de balle très très importante, le score 49-46. Et toujours la même agressivité offensive qui est très payante. Temps mort demandé par Maljkovic alors que l'équipe d'Olympiakos est revenue à un point 49-48. Michael Young va revenir. Tim Kempton. Kempton 5 points ce soir, Michael Young 8. Et après l'écran décisif de Tarlac, Johnson trouve enfin une belle position pour tirer en tête des raquettes à 3 points. Et c'est le premier panier à 3 points réussi par Olympiakos dans ce match. Alors 49-48, 6 minutes 45 à jouer. Un match qui va se jouer aux alentours de 60 points encore. Limoges a manqué deux claquettes semblables. Et là, on a vu une claquette réussie par Fatulas. Ah, ça joue à si peu de choses un match de très haut niveau de basket. Et là, c'est l'Olympiakos qui défend très très bien. Oui, quand on empêche la circulation de ballon comme ça, il faut attaquer en un contre-un. Il n'y a pas le choix. Bon, il a marché, mais il s'est fait pousser aussi. Décision difficile. Allez, faut jouer, faut oublier ça. Oh, le match devient de plus en plus dur. Faute à Richard Nakouri. Et panier à Volkov. C'est un combat d'hommes maintenant. Ah oui. Pourtant, il n'est pas si loin que ça de ce passage en force que voulait Richard Thackeray. Pour prendre le rebond. À Limoges qui souffre en ce moment. Olympiakos a un pas d'avance. Oh, il y a des écrans de Tarlac. Eddie Johnson. La cachette polonaise, Monsieur Korachelski. Qui déchaîne les passions. Regardez, Forte qui prend le ballon là. Rien à dire. Hey, Forte. Il veut bien rester fair play, mais il ne faut pas se moquer de moi, doit se dire Frédéric Forte. Parce que là, je peux vous dire en face, messieurs, dames, ce ne sont pas des enfants de cœur. Attention, super ça. La meilleure
saison dans les raquettes de la NBA, et c'est pas cette équipe-là qui va l'impressionner. Hein. Interception super importante parce que Limoges commençait à douter. Alors que Bakatia s'est ouvert la lèvre. Quand on vous disait que c'était un combat d'hommes. Oui, en fait, c'est tout à l'heure Fouette qui lui a fait saigner. Mais ça saigne toujours. 2 sur 2 pour Tim Kempton. Peut-être qu'il faut jouer sur Kempton justement. Hein, oui, parce qu'avec sa rouplardise et ses kilos. Il a le regard en plus du tueur. Dans le bon sens du terme, hein, au basket on est. Tournant important là. Et Eddie Johnson est fou de rage de s'être fait piéger par Richard Makoui. Deux joueurs d'expérience. Bah, tant pis pour lui. Wow. Oh là, quel fan match ça va nous faire, Georges. Nakic. Une nouvelle fois, le Magic atteint un niveau extraordinaire. Sigalas retourne au bout du banc parce que Nakic vient de réussir son panier à 3 points. Et quel panier important. Vasilas va revenir. Avec Richard Makoui qui récupère ce ballon alors que Limoges mène 54-53 face à l'Olympiakos à 4 minutes 32 de la fin du match. Un véritable sommet européen. Dans un match titanesque. Possession de balle capitale. Richard Makoui face à Eddie Johnson. Pour Frédéric Forte à 3 points. Oh, quel dimension. 3 paniers consécutifs à 3 points réussis par les deux équipes. Oui, avec 16 points pour Frédéric Forte. Le score 57-53. Il reste moins de 4 minutes de jeu. Eddie Johnson. Fortnite qui réussit un match incroyable. 16 points et son rebond très important arraché par le meneur de jeu, le plus petit joueur sur le terrain, Frédéric Forte, royal. Oui, c'est absolument incroyable, le match est en train de basculer. Temps mort demandé par Ioannidis alors que le score est 57-53. Oh là là, et la possession de balle, bien sûr, sera pour Limoges. Oh, qu'est-ce qu'on vient de vivre là. Bah, on est en train de vivre le plus beau match de la saison en championnat d'Europe des clubs ici à la Salle Beaublanc. Quelle intensité. Regardez, on ralentit ce panier à 3 points de Richard Makoui. Eddie Johnson est en retard. Oh, qui fait du bien ce panier. On avait l'impression que Limoges, Georges, était au bord du chaos. Et puis il y a eu 3 actions là, boum, qui ont retourné la situation. Oui, c'est depuis le dernier temps mort d'ailleurs. Où Malkovic a dû redonner un peu confiance à ses joueurs, qu'ils ont trouvé des nouvelles ressources, morales surtout. Mais il y a eu un passage où le jeu est devenu très physique, à la limite de la violence, et Limoges n'a pas cédé à ce moment-là. Ils n'ont pas craqué devant l'autre grec. Alors le ballon pour Limoges avec Richard Makoui. Il faut bouger. Frédéric Forte qui récupère ce ballon. Tim Kempton. Voilà. On fait tourner le temps. Bon, on ne peut pas vraiment gérer 4 points, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut trouver des bonnes positions chaque fois. Forte dit Johnson. Et on peut dire que l'arbitre polonais est quand même, M. Koralewski, très sévère sur les fautes des défenseurs. Il ne laisse absolument rien passer. Bon, peut-être c'est ce qu'il fallait faire, mais ça hache un petit peu le match, c'est vrai. Oui, mais à mon avis, c'était obligatoire. Ah, oui. Après le passage de tout à l'heure où c'était devenu du rugby. Il fallait remettre les pendules à l'heure. Richard Makoui qui nous fait un gros match. Et depuis le début de saison d'ailleurs en championnat d'Europe, Richard Makoui est présent dans les matchs, en tout cas à domicile, il a toujours été là. Il est le troisième meilleur marqueur de l'équipe dans cette compétition, presque 12 points par match. 5 points d'avance.
Fasoulas. Voilà, il souffre face à Kempton. Il y a des écrans. Concert Volkov. Faute de Michael Young. Sur Volkov, on ne touche pas à l'attaquant. C'est la règle ce soir. Alors on va revoir au ralenti. Moi, là, il n'y a pas de faute. Hein. C'est pas. Je ne suis pas arbitre. D'ailleurs, le ballon a été perdu. Donc il a autant de droits d'aller chercher le ballon que le joueur grec à ce moment-là. Allez, 3 minutes à tenir. 5 points d'avance pour Limoges. 58-53, le ballon dans les mains de Sacha Volkov. Attention, Eddie Johnson à 3 points. C'est pas bon. Oh, une grosse belle pour l'Américain. Et Frédéric Forté qui va pouvoir remonter tranquillement. Quelle fin de match. Et écoutez cette ambiance ici dans Beaublanc, plat à craquer. Frédéric Forté, avec la pression de Bakatsias bien sûr. Forté qui fait à mon avis le meilleur match de sa carrière dans cette plus haute compétition européenne. Ça courit au poste. Et le rebond pour les bras tentaculaires de Fasoulas. Attention à Eddie Johnson toujours. Là, je peux vous dire qu'il va prendre sa responsabilité, il provoque la faute de Dakoury. Ça sera sa quatrième faute pour Richard Dakoury. Ah oui, l'ancien de la NBA, Eddie Johnson, 36 ans, a fait jouer son métier. Regardez, il va rentrer dedans avec l'épaule en avant. Chercher le contact à tout prix. Alors, Eddie Johnson au lancer franc. Les stats de Johnson pour l'instant. 13 points marqués. Et comme ça, dans le money time, il ne va pas rater des lancers francs. Et il est loin quand même de sa moyenne habituelle de presque 24 points. Le deuxième meilleur marqueur de la poule au championnat d'Europe des clubs. Le voilà en gros plan. 15 points pour Eddie Johnson. Et le score 58-55 à 2-18 de la fin du match. Alors là, Limoges va être partagé entre l'envie de contrôler un petit peu le temps, oui, et puis l'envie de creuser. Il faut jouer normalement et chercher la meilleure position possible. C'est là que l'expérience va jouer pour le CSP Limoges. Oui, jouer sur Kempton. 5 secondes pour le shoot, Frédéric Forté. Oh, la mise. Oh, le petit magnifique. Il l'a mis à 3 points, Johan. Oh, Frédéric Forté. Aux anges, 19 points. Meilleur marqueur du match, 4 rebonds pour la minute de jeu, un match extra. Nakic qui force, faute de Frédéric Forté. Ioannidis sur le panier de Forté a carrément fait exploser une chaise sur laquelle il devait être assis normalement. Ben là on peut confirmer que c'est le meilleur match que Frédéric n'a jamais fait à ce niveau de la compétition. Dans tous les sens, il l'aimait dans tous les sens. C'est comme lui qui avait intercepté le ballon à Koukoc pour gagner la finale à Athènes. Bon, Nakic calme les supporters en mettant ce lancer franc. 6 points pour Nakic. Allez, fin de match, toujours au couteau entre ces deux clubs qui se redoutent, qui se respectent. Il y a tellement d'ambiance, on se croirait dans une salle grecque. Pressing tout terrain, Volkov qui s'est ouvert l'arcade sourcilière. Et oui, bien sûr, le temps va être arrêté. Il saigne violemment Sacha Volkov en tombant. Regardez ça. Il est ouvert. Et oui, il a dû être remplacé bien sûr par Dragan Tarlanc. C'est normal, un joueur qui saigne doit être remplacé. On va voir sur cette action. Il prend un coup de coude de Dakoury. Et on demande bien sûr au Serpillero d'aller essuyer le sang sur le terrain. Comme vous disiez, dès le début du match, on vous a dit que ça allait être rude au niveau des contacts. Oui. Il y a quand même eu une lèvre ouverte, une arcade. C'est une image symbolique, ce sang sur le terrain, en quelque sorte. Mais c'est vrai que ça n'a jamais dégénéré, heureusement. Voilà Volkov qui se fait soigner. Ah, il est bien ouvert. Ah oui, il est bien ouvert. Là, il y a 5-6
10 points sur 2 faciles. Hein. Regardez, Jean-Paul nous remontre l'image de Volkov qui sort avec son arcade sicilien ouverte. 63-57 pour Limoges, il reste 1 minute 17. 6 points d'avance pour Nakic qui n'ose pas prendre le shoot. Attention, retour en zone, c'était limite. Le ballon va être rendu à Limoges, il reste 1 minute 08 à jouer. C'est symbolique aussi, Michael Young, le meilleur marqueur de l'équipe, qui se dévue ici aux tâches défensives pour chercher cette passage en force. Young qui dit cette saison, parfois je rate mon match en attaque, mais j'essaie de faire autre chose pour faire gagner l'équipe. Et Ioannidis qui demande un nouveau temps mort, il reste 1 minute 08, 6 points d'avance pour Limoges. Actuellement l'Olympiakos est en passe de connaître peut-être sa première défaite depuis 12 rencontres. Ça serait assez exceptionnel pour le CSP. Oui, les Grecs sont invaincus en championnat. Ils sont en tête devant Panathinaikos et Ineklis Salonique. Et regardez les supporters. On en perd notre voix, Limougeot. Quelle ambiance. Pour montrer à quel point cette équipe du Pirée est forte, ils ont gagné en championnat ce week-end par le score de 90 à 44. Des monstres, ce sont des monstres. Mais Limoges tient le coup en ce moment. Grâce à Forte, et c'est vrai que l'absence de Volkov coûte cher parce que c'est lui qui a été le meilleur joueur grec en deuxième mi-temps, et de loin, Alexandre Volkov. Alors le ballon pour Limoges, pressing tout le terrain. Kempton qui remonte le ballon avec ses 2 mètres. Et ballon perdu par Limoges, il reste 1 minute 03. Alors que dit monsieur Virovic? Finalement on avait l'impression qu'il n'avait pas sifflé faute. Et si, il a sifflé faute contre Nakic. Ça fait plus de fois qu'il siffle en retardement ou que le signal n'est pas très clair. Peu importe qui l'a sifflé, Richard est au lancer franc. Siakiri, 13 points marqués, 5 rebonds captés. Alors s'il les met, allez Richard, on se concentre, c'est pas grave si le ballon est trempé, on les met. Voilà. Déjà ça fait minimum 3 possessions du ballon pour que les Grecs puissent remonter à la marque. Hein, donc c'est important. Ça va être court, ça va rentrer quand même. 15 points pour Richard Dacoury, 8 points d'avance. Intercepté Richard Dacoury, le ballon sera rendu quand même à l'Olympiakos. Oh, quel match fabuleux. Alors Ioannidis qui vient demander un changement. Il fait rappeler Volkov à la place de Nakic. Non, non, finalement, il temporise un petit peu. Attention Eddie Johnson. Et Richard Dacoury qui va prendre, j'ai bien peur, sa 5e faute. Ah, ça c'est une faute un petit peu bête parce que Eddie Johnson va avoir 3 lancers francs. Et il ne voulait absolument pas donner la moindre possibilité à Eddie Johnson de marquer un tir à 3 points comme il a fait tout à l'heure. Richard Dacoury qui sort avec 15 points marqués et une défense fabuleuse. Alors Eddie Johnson, 3 lancers francs à 54 secondes. Au meilleur, Eddie Johnson qui rate son premier lancer franc. Et avant le match de ce soir, il était à 100% de réussite au lancer franc. Toutes les belles histoires ont une fin. 1 sur 2 pour l'instant pour Eddie Johnson. Oui, comme ils avaient gagné 12 matchs d'affilée, peut-être ce 13e match porte malheur aux Grecs. Oui, oui. Pressing tout terrain toujours. Jimmy Verov. Il faut une démonstration quand même pour récupérer les ballons, assez impressionnante. Pressing tout terrain terrible. L'arbitre ne siffle plus. Allez, 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 allez. Kempton. Michael Young était tout seul. Donc le pas sous la rassure sur Tim Kempton. Tim Kempton, 2 lancers francs. S'il l'aimait, c'est gagné.
Oui, au minimum, il faut en mettre un pour éviter que les Grecs puissent égaliser avec deux tirs à trois points de Johnson, par exemple. Tim Kepton à 27 secondes de la fin. Pour en mettre un, Tim. Allez, c'est pas grave. Obliger les Grecs à utiliser trois possessions de ballon pour remonter à la marque. Voilà. Ah, c'est bon pour Tim Kepton. Ça nous fait donc 7 points d'avance. Bakatsias. Bakatsias face à Michael Young. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire parce qu'il reste 10 secondes. Ah, il ne joue pas le coup. C'est terminé. Alors Volkov, il est au milieu du terrain, il tire. C'est terminé. Limoges va gagner. Michael Young. Peut-être le plus gros match de Limoges cette saison, il faut dire toutes les semaines maintenant en championnat d'Europe ici à Beauvais, on dit que Limoges a réussi le plus gros match de sa saison. Et c'est vrai, là c'était face à l'Olympiakos et je crois que le qualificatif n'est pas trop fort. 66-59 pour Limoges face à l'Olympiakos. Grande, grande démonstration. Georges avec Frédéric Forté. Avec l'homme du match, avec les deux hommes du match. Frédéric Forte et Richard Dabry. Frédéric, je crois que c'est peut-être le meilleur match que tu as jamais réussi en championnat d'Europe toi-même. Ouais, je crois. Je pense sincèrement, il faudra peut-être en regarder plus longuement la vidéo, parce qu'il ne faut jamais être satisfait. Même si ce soir on fait un gros match, je crois qu'on a quand même eu des moments de flottement, notamment au deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous avait fait déjà défaut à Barcelone, un moment de flottement de 5 à 7 minutes. Et là c'est pareil, ils reviennent dans le match et ça aurait pu nous coûter très très cher. Donc, il faut garder la tête bien sur les épaules, surtout qu'il nous arrive des gros matchs encore, on n'a pas le temps de souffler. On a évidemment aussi dimanche qui ne va certainement pas venir pour faire de la figuration, donc restez très très concentrés. C'est quand même une grande joie. Ouais, clairement, oui. On connaît vraiment la valeur de cette équipe, il fallait faire un gros match et on n'avait pas le choix et je crois que ce soir on a fait un gros match. Et quelque part, le match de Cholet nous a peut-être ressoudé juste avant un rendez-vous aussi important. Richard, à un moment, le jeu est devenu terriblement dur. Disons, à 5 minutes de la fin, c'était un peu le rugby sur le terrain. Oui, c'est à ce moment-là que Fred m'a dit, c'est on gagne le match maintenant. Tu serres les fesses et on compte sur tout le monde au rebond. Je crois que Fred a été un super leader ce soir, aussi bien au niveau de la direction du jeu que de l'attaque, ce qui est rare pour lui. J'arrête pas de tanner le cuir pour qu'il chute un peu plus ce soir. Il a réussi beaucoup de choses et il a fait un super match, c'est vrai. Toute l'équipe a fait un gros match. Hein. On a enlevé la rage après le match raté de Cholet. Je crois qu'on a répondu à pas mal de détracteurs, à savoir que Limoges est toujours là dans les grosses occasions. Le tout est que ça se retrouve au bon moment. Quoi. Ce soir, il fallait vraiment aller au rebond, bloquer au rebond et défendre à 5. C'était vraiment collectif tout ça. Le secret, vous savez, c'est un sport collectif de basket. Hein. Un joueur ne peut pas gagner le match à lui tout seul. Même si Fred il a été de son... ça passe ce soir, mais je crois que tout le monde a gagné le match au rebond, tout le monde s'est donné au bon, tout le monde a défendu. Je veux dire, c'est ça le basket, c'est comme ça qu'on le conçoit et c'est comme ça que j'adore. Et dernier mot pour ce public. J'aime beaucoup ta casquette aussi. Un dernier mot pour ce public. Il y avait au moins 7000 personnes ce soir qui vous a soutenu, disons à l'image d'une salle grecque de basket. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été, chauds, ils nous ont bien poussés. À la fin, là, quand le match n'est pas encore joué, ils ont commencé à se lever, à nous supporter. Et puis c'est vrai que dans les moments difficiles, qu'on commence à avoir mal aux jambes et le petit bras, et ben, ça aide énormément. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau, un coup de casquette. Merci. Je veux dire qu'il y a un public à la grecque, mais avec un peu moins d'excès quand même. Hein. Oui. C'est quand même une ambiance très bon enfant, il n'y a pas trop de jet, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et heureusement, et pas de pièces sur le terrain non plus. Merci Georges. Merci pour ce spectacle grandiose. Et oui Georges, merci à Richard Dacoury et Frédéric Forté, toujours disponibles pour répondre à nos interviews, même quand ils sortent d'un match aussi phénoménal. On a eu le temps de récupérer les statistiques, donc on va les disséquer, hein, parce que je crois que ça vaut le coup de rester un petit peu encore à Limoges après ce match, on aime bien cette expression, de brontosaure. Alors, Frédéric Forté, c'est le meilleur marqueur avec 19 points, 7 sur 10 au total, avec à 3 points, un 5 sur 7 quand même, Frédéric Forté. Georges, ça va. Oui, et 3 de ces 5 tirs à 3 points ont été réalisés dans des positions presque impossibles, en déséquilibre. Une fois, il a marqué à 9 mètres.
C'est pour ça que Richard chambrait un peu tout à l'heure en disant que Frédéric Fauté ce soir a vraiment sorti le grand jeu. Et ce qui est bien, c'est de voir que Limoges peut gagner avec un Michael Young à 8 points ou un Tim Kempton à 8 points. C'est-à-dire que les autres joueurs peuvent être là pour marquer les points quand il le faut. Donc bravo à tout le monde. Une statistique qui est affligeante pour l'Olympiakos, c'est les balles perdues. On en a parlé déjà à la mi-temps. La différence est toujours énorme. 17 ballons perdus, 17 ballons gagnés par la défense de Limoges, si vous préférez. Seulement 5 ballons perdus par l'attaque de Limoges. La rigueur était ce soir du côté des Limogeaux. Au niveau des rebonds, eh bien, c'est quand même l'Olympiakos qui a largement dominé avec 36 rebonds contre 26 pour Limoges. Mais Limoges a été quand même plus adroit avec comme meilleur rebondeur du match Sacha Volkov, auteur d'un gros match du côté des Grecs avec 12 rebonds et 18 points. Voilà, je crois, Georges, on va pouvoir se quitter maintenant après ce superbe exploit donc de Limoges qui bat l'Olympiakos, qui était la seule équipe invaincue dans le championnat d'Europe des clubs, sur le score de 66-59. Nous retrouverons bien sûr Limoges la semaine prochaine pour le match à Badalone. Ça aussi, ça va être important. Il faut absolument gagner à Badalone, qui n'a pas encore gagné un match, peut-être ce soir. Oui, oui, déjà, gagner à Badalone, c'est toujours un exploit, hein, donc rien n'est fait d'avance. Et c'est vrai que la dernière fois où Limoges était allé gagner à Badalone, eh bien, Limoges était allé au bout, c'était l'année du titre, bien sûr. Et puis, les rendez-vous de la fin de semaine pour le basket, je les ai notés parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vous ai parlé du derby lyonnais, Jet Lyon contre Villeurbanne. Et Villeurbanne, on l'a vu, est en grosse forme, puisque Villeurbanne a tombé Dijon la semaine dernière devant les caméras de Canal. Sur Canal, il y aura un gros match au sommet aussi entre Dijon et Cholet. Oui, avec un Antoine Rigaudot au sommet de son art. Et enfin, sur FR3 le dimanche, pour tous les gens de la région, bien sûr, et toutes les fans de Limoges, il y aura Limoges-Antibes, Antibes actuel leader. Voilà pour les rendez-vous de la fin de semaine avec le basket. On va se quitter. Je vous rappelle le score 66-59 pour le CSP Limoges. Bye bye. Bravo Limoges.